l'intégration au fait du plein air, c'est que tu arrives pas avec le débat de contact. Moi, j'ai mis ça en haut, je vais mettre en dessous les deux étapes. Mais tu vas avoir le contact à manier quelqu'un qui blesse, quelqu'un qui a quelque chose dans l'œil, puis là, il descend, puis il a de la misère à rose, il met ses pieds en descendant, puis il n'y a pas ses lunettes. Moi, quand je fais du fond, c'est des jetables, puis j'ai mis un lit de mon sac. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bon, ben, on est en train de se préparer. On met nos harnais. Charlie est là. Ça va être notre terrain de jeu pour la journée. Il fait particulièrement beau. C'est comme assez surprenant. Hier, les gars étaient dans un blizzard total ici. Yeah! Il y en a eu de la neige! T'as l'air volé, j'ai pas mis ma main au bout. Oh, on l'a pas vu dans la neige vraiment compacte. Là. Un snow picket, à 6 on est capable de la neige. Si, mettons, on veut rajouter pour que ce soit plus solide, regardez ce que Charles avait fait en haut. Il y avait deux snow pickets et un piolet. Rajouter un troisième point d'ancrage, ça va permettre d'augmenter la solidité. Fait que, tu veux s'en faire des relais? Ouais, on va juste faire pratiquer quelques minutes. Si vous avez une doudoune, c'est le temps de la mettre parce que là, vous allez bouger pour aller vous installer, mais mettez votre doudoune. Bon, c'est un piolet de mur. Parce que mes crampons, il y a l'air plus de l'ordre. Hey, salut, je suis maintenant assuré. On va faire une traversée de glace avec ma super gang. Là, il y a de la glace qui tombe depuis tantôt. Il y a d'autres grimpeurs en haut de nous autres. Il y a bien des petites chutes de glace. Ben oui, il n'y a rien à faire en Gaspésie, un soir qui fait moins 15. Bonjour! Bonjour! Hey, salut, deuxième journée. On se prépare à partir. La deuxième journée. Les conditions ne seront pas comme hier. Il annonce des vents, il n'y a pas de soleil. Que ça risque d'être un peu plus froid. On s'enligne tout de même pour faire un gully au complet, monter jusqu'en haut, supervisé par deux si formateurs. On meurt, venez nous chercher. Si on meurt, venez nous chercher. Fait que c'est ça le résumé de la journée. Il y a de bonne heure le matin. On s'apprête à partir. Fait que là-dessus, on en repogne ça. Ciao! Faire une marche encordée. Le vent il est présent. Il fait froid. Salut Charles, ça va? Roger! Yes! C'est nos guides, Charles, JP.
Ah ben là, on se prépare à monter dans le goulet. On est tout assuré. Il y a Pierre-Jacques qui lance des relais avec des snow pickets. Le vent il est assez glacial. On est tout assuré. Fait qu'on s'en va en direction d'en haut là-bas. On a même pas. On a même pas le quart de fait. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui grimpent d'autres voies aux côtés. On est assez haut, il vente. C'est écœurant. Je suis très bon fort. Wouhou! Yeah! Ça c'est Pierre, ça. C'est plus crinqué de la guerre. Yeah! Yeah! C'est notre Sherpa. Vu qu'il est jeune et qu'il est en forme, c'est tout lui qu'on. C'est tout lui qui traîne notre stock. On traîne! Hey! T'en souviens-tu quand on est parti de ce qu'on a pique-niqué là? Ouais. J'ai dit Pierre, oublie pas de ramasser le relais qu'on a laissé en bas. Non! Je l'ai ramassé. Ah ouais, Pierre! C'est assez infaillible, super rapide. Ok. Il a passé tout droit. Il était dedans. Bon. Bon, fait que on s'en va manger, les gars.